Vers un rapprochement entre le CILS et la CEDEAO. L'institution pourrait devenir à terme le bras armé de l'organisation ouest-africaine en matière de lutte contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Et puis la télévision du Burkina poursuit ses efforts pour se rapprocher de vous. L'acquisition du Flyaway devrait permettre à nos équipes de reportage de retransmettre plus facilement en direct certains événements. Nous irons à Manga dans ce journal pour un essai. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Le CILS doit mobiliser des ressources s'il veut mettre à l'abri de la famine la dizaine de millions de personnes de son espace qui vivent en crise ou en fragilité alimentaire. Le président malien que ses pairs ont porté à la tête de l'institution va travailler dans ce sens. Le président du FASO a participé à cette 17e conférence qui a eu lieu à Bamako. Michel Kafando y a parlé des priorités du Burkina Faso en matière de sécurité alimentaire et d'adaptation au changement climatique. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Fousseni Kindo. La sécheresse et les changements climatiques se moquent des frontières des pays du Sahel. Les chefs d'État et de gouvernement du CILS, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, en se retrouvant ce 15 avril à Bamako, souhaitent davantage des actions contribuant à une meilleure articulation des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région. La gestion durable des ressources naturelles au Sahel a été également au centre de cette rencontre au sommet. Le CILS a des dispositifs qui permettent, à la fois si vous voulez, à travers des projets, s'assurer que nous améliorons la production, mais également que nous améliorons ce que nous appelons la résilience des populations à l'insécurité alimentaire. Donc des actions ont été menées par le CILS et les chefs d'État ont, si vous voulez, apprécié positivement et encouragé, eux-mêmes se sont engagés à encore supporter le CILS à travers des réformes. Des réformes liées à son statut, à son personnel, liées également au fait qu'il s'est étendu maintenant à quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, et tout ça donc dans le cadre de la sécurité. Ces actions de lutte contre la sécheresse et pour la sécurité alimentaire dans les pays du CILS sont souvent perturbées par l'insécurité qui sévit dans la région depuis quelques années. Et pour les chefs d'État, le défi sera surtout de sauver les 4 millions de personnes de l'espace CILS en état de crise alimentaire et les 10 millions de personnes en état de fragilité alimentaire. En cela, le rapprochement avec la CEDEAO est salutaire. Il est primordial que le plan quinquennal 2015-2020 que nous venons d'adopter bénéficie de l'attention qui sied afin d'atteindre les objectifs escomptés. Par ailleurs, l'examen des questions d'ordre administratif, financier, institutionnel, en particulier le processus de coopération CILS-CEDEAO, nous exhorte à ne point laisser faiblir la vision et la dynamique nouvelle impulsée pour la bonne marche du CILS. Le bien-être des populations du Sahel en dépend et notre devoir est d'œuvrer sans relâche à rendre possible, comme le dit le slogan, un autre Sahel. En convenant de se retrouver à Nouakchott en 2017 pour la 18e conférence, les chefs d'État du CILS ont porté Ibrahim Boubacar Keïta du Mali à la tête de l'institution. Le nouveau président du CILS n'a pas tardé à indiquer ses priorités.
qui concerne surtout la mobilisation des ressources financières et faire du CILS un instrument privilégié de développement durable pour ses membres. Allons maintenant à Manga pour retrouver en direct Karim Patrick Namoineau. De mémoire de travailleurs de la RTB, ce sera la première fois que la télévision du Burkina arrive à faire un direct depuis la cité de l'Épervier. Bonjour Karim, comment se passe cet essai à Manga? À faire du direct à partir de ces localités. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la mise en œuvre de cet équipement que nous venons d'acquérir, nous avons choisi de faire le premier test de cet outil qu'on appelle aussi la balise satellitaire. Et c'est cela que nous avons déployé en ce moment et pour pouvoir tester l'équipement et voir sa capacité. Du même coup, ça renforce en tout cas les capacités opérationnelles de la RTB qui désormais sera équipée de manière à pouvoir se déplacer partout à travers le Burkina et même au-delà du Burkina pour pouvoir faire donc des retransmissions en direct. Voilà, avant, nous utilisions le circuit d'un opérateur de télécommunications et ce n'était pas toujours chose aisée. Est-ce que désormais, c'est beaucoup plus facile avec nous et quels sont les avantages comparatifs? Alors, c'est exact ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'avant, il fallait être, nous étions liés en tout cas à la capacité d'un opérateur. Si cet opérateur est limité, d'office, la RTB est limitée. Aujourd'hui, nous ne sommes plus liés par... Et le titre de Kaoum, c'est lié donc de fonctionnalité. Nous sommes plus ou moins autonomes. Et c'est pourquoi nous avons un équipement qui, on dira que ce n'est pas très tôt que nous l'avons eu, mais c'est déjà en tout cas bien de l'avoir. Il est équipé donc de matériel numérique. Et c'est déjà un grand pas pour nous de pouvoir faire du direct partout au Burkina. Et c'est vraiment une fierté Burkina pour la RTB d'avoir fait ce grand pas. Voilà, c'est un grand pas, vous l'avez dit. Mais directement, il y aura encore certainement d'autres investissements, d'autres actions pour faire en sorte que la RTB puisse davantage servir les téléspectateurs. En termes de perspective, qu'est-ce que la RTB fera désormais? Alors, comme vous le savez, l'actualité telle que justement les téléspectateurs attendent toujours vraiment la spontanéité, la réactivité. Et donc, avec cet équipement, la RTB renforce ses capacités en termes de réactivité, en termes de mobilité. C'est vrai que le seul outil ne suffit pas. Ne suffit pas pour être partout sur toute l'étendue du territoire. Donc, ce qui veut dire qu'à terme, il va falloir essayer de multiplier ce genre d'équipement pour nous permettre en tout cas de caler les quatre coins du Burkina et être vraiment en temps réel au cœur des événements lorsque le besoin se fera sentir. Voilà, mesdames et messieurs, désormais, peu importe la localité, peu importe la distance, vous pourrez recevoir les images en direct à partir des événements sur toute l'étendue du territoire national, autant pour moi, et même à l'extérieur. Nous avons reçu qui est le directeur de la prospective pour des précisions. Vivienne Kendrebego, nous vous rendons l'antenne. Merci et bonne suite du journal. Merci Karim Patrick Namoineau qui était en direct, vous l'avez vu, avec Philippe Kaoun, le directeur de la prospective de la RTB. Merci à vous tous et bon retour à toute l'équipe déployée à Manga. L'une des conséquences des changements climatiques, c'est l'augmentation des températures. Les statistiques disent qu'au Burkina Faso, par exemple, ces régions ont connu une hausse de 3 degrés en 50 ans. La Direction générale de la météorologie et ses partenaires ont convié plusieurs acteurs de la protection de l'environnement à la réflexion. Ils doivent trouver ensemble les meilleurs moyens de faire face aux vagues de chaleur dans le Sahel. Maxime Zong. La variabilité climatique est un phénomène de plus en plus persistant. Conséquence, la température connaît une augmentation constante et les vagues de chaleur aussi, surtout au Sahel. Face au phénomène, la Direction générale de la météorologie a entrepris de renforcer le système d'alerte précoce à travers la formation des principaux acteurs. Particulièrement au Burkina Faso, lorsque nous faisons l'étude sur les 50 dernières années, nous remarquons que sur l'ensemble des zones climatiques du Burkina Faso, la température a augmenté. Particulièrement au nord, ça a augmenté de près de 3 degrés, au centre de près de 2 degrés, au sud de près de 1 degré en moyenne. Et ce faisant, on sait également que dans le cadre des changements climatiques, il y aura des phénomènes extrêmes, notamment donc
des extrêmes de température, des vagues de chaleur, et il est donc temps que nous prenions de l'avance pour étudier l'occurrence de ces vagues de chaleur et également étudier l'impact sanitaire de ces vagues de chaleur. Sont alors conviés à la réflexion l'ensemble des acteurs de la météorologie, la climatologie, des sciences sociales, de la santé et bien d'autres. Objectif, jeter les bases d'une synergie d'action en matière de système d'alerte précoce. Cette initiative a pu se concrétiser grâce à un financement de l'Agence nationale de la recherche française et du soutien institution nationale dans le domaine de la recherche. Les métiers de l'agroalimentaire sont tributaires du climat, mais comment produire en tenant compte des besoins du marché? C'est une question à laquelle quelques producteurs vont trouver réponse. Il finit à coup de goût à l'initiative du programme de structuration de l'offre de formation professionnelle et d'apprentissage du secteur de l'agroalimentaire. Retour sur le début des travaux à Isaïe Parkouda. Sous la houlette du programme de structuration de l'offre de formation professionnelle et d'apprentissage, 5 référentiels de formation et de certification en agroalimentaire ont été élaborés. L'objectif étant de booster le développement agricole et de parvenir à l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Et les participants, acteurs de ce secteur, réfléchissent afin d'apporter leur touche pour plus de qualification des formateurs endogènes et le relèvement de la qualité des produits ciblés. Chez nous, nos entreprises, les associations et groupements de femmes, la plupart des travailleurs et des employés qui travaillent sont formés sur le tas. Nous sommes des scientifiques, nous avons des résultats et on veut traduire ça en référentiel de formation, pas pour former des maîtrisards, pas pour former des docteurs, mais des ouvriers qualifiés qui vont travailler dans les associations. Ce programme de structuration de l'offre de formation professionnelle et d'apprentissage est initié par l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT. La coopération suisse s'est jointe au gouvernement burkinabé depuis 2009 pour valoriser la production agricole locale. Les 5 référentiels soumis à validation pourront donc servir d'outils de vulgarisation des meilleures pratiques de formation in situ. Les 5 métiers sont la filière céréale, qui est un produit largement consommé par la population, la filière fruits et légumes, notamment mangue, oignons, tomates, la filière karité, transformation des noix en beurre de karité, la filière tubercule, et puis enfin la filière soumbala. Le choix des 5 métiers s'inscrit dans les actions stratégiques de la mise en œuvre de la politique nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, en congruence avec la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. On en parle depuis plusieurs jours. La province du Sanguier fait partie de celle que la grippe aviaire touche au Burkina Faso. Elle compte à elle seule plus d'1 500 000 têtes de volaille. Et le passage de cette épizootie dans des localités comme Bagyemo et Batondo n'est pas sans conséquences sur les économies locales. Des précisions dans ce reportage de Jonas Wemba. La province du Sanguier est l'un des premiers foyers de la grippe aviaire au Burkina Faso. Cette maladie qui porte un coup dur à la filière volaille est apparue dans le courant du mois de mars dernier dans les communes de Tenado et de Pouni. Et à ce jour, des milliers de gallinacés ont été décimés. Dans les 3 villages là où la maladie a été observée, avant la maladie, il y avait environ 85 000 volailles, toutes espèces confondues. Et la maladie a tué près de 80%. Et bon, nous avons abattu environ 2000. Les services de la santé animale, dès les premiers instants, ont pris des mesures allant de la sensibilisation des populations au recensement et à l'abattage de la volaille atteinte pour endiguer le mal. Ici à Batondo, village situé à 8 km sud de Tenado, les équipes techniques vétérinaires exécutent leur mission sous le regard des agriculteurs désemparés. La majorité de la population nous a accompagnés. Donc on a bon espoir que nous allons avoir de bons résultats. Nonobstant cette collaboration harmonieuse, les agriculteurs décrivent le système d'indemnisation mis en place par le gouvernement.
Il trouve le montant dérisoire et souhaite son augmentation à 3500 francs CFA. Notre inquiétude, c'est les prix là. Ils ont dit qu'ils vont donner une poule à 1000 francs, alors que 1000 francs là, ça ne nous arrange pas. La grippe aviaire, cette peste fait écrouler tout un pan de l'économie locale. Et ça serait au regard du comportement des populations et au manque de moyens de faire face à une telle maladie que l'on arrive à cette situation fâcheuse. Si nous calculons la valeur de la volaille perdue à cause de la maladie et le manque de production, et nous pouvons évaluer la perte économique à environ 300 millions de francs dans les trois villages où la maladie a été déclarée. Les communes rurales de Ténado et de Pouni dans le Sangié ne sont pas les seules à être touchées par la grippe aviaire. Sabou dans la province du Boulkiémdé en est également un foyer. Et jusqu'à ce que la déclaration d'infection soit levée, tous les marchés et foires de volailles sont suspendus dans ces zones. Un mot de politique dans ce journal. Les partis de l'ancienne majorité au pouvoir n'ont pas baissé les bras dans leur lutte pour l'annulation de certaines dispositions du nouveau code électoral. Ils ont saisi pour cela le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CEDEAO. Les responsables des partis de l'ancienne majorité ont animé hier une conférence de presse au cours de laquelle ils se sont prononcés entre autres sur l'arrestation de certains de leurs camarades. Le point avec Draman Guéni. Promulgué le 10 avril dernier, le nouveau code électoral est toujours dans le viseur de l'ancienne majorité. Après la déclaration d'appel à manifestation contre le code, le CDP et ses alliés sont passés aujourd'hui à la vitesse supérieure. Nous avons déposé un recours contre la révision du code électoral devant le Conseil constitutionnel. Parallèlement à cette démarche et tenant compte du processus tenant compte du calendrier électoral, nous déposerons également un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. En attendant l'arrêt des deux instances, l'ex-majorité maintient sa politique de la chaise vide au sein des organes de la transition tout en y apportant des réaménagements. Nos partis ont laissé aux députés du groupe parlementaire ARD la latitude de manifester cette protestation par les initiatives concertées qu'ils jugeront appropriées en fonction des pratiques parlementaires en cours au CNT. Ils peuvent, par exemple, choisir de se retirer ostensiblement des séances plénières de cette Assemblée après l'appel de leur nom. Le troisième point de cette conférence de presse s'intéresse à l'arrestation des dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré. Nous voulons qu'une justice égale pour tous soit rendue avec garantie prévue par la loi à l'égard de tous les citoyens présumés avoir commis des infractions, et notamment à l'égard de toutes les personnes dont l'enrichissement peut soulever légitimement des interrogations au regard de leurs revenus connus et licites. Le document de manifestation publique contre le nouveau code électoral intitulé « Appel à mobilisation patriotique pour une transition inclusive et démocratique » est signé actuellement par 9 partis politiques, selon Léonce Conné. Le CRU 2015 des assistants de la garde de sécurité pénitentiaire est prêt à être utilisé. La promotion est forte de 96 stagiaires qui ont bouclé 2 mois de formation militaire initiale au groupement d'instruction des forces armées de Bobo-Dioulasso. La sortie de ces nouveaux assistants GSP a eu lieu hier dans la ville de Sia. Awa Ouedraogo. Cette séance de démonstration, elle est faite par des élèves assistants de la garde de sécurité pénitentiaire. 2 mois de formation militaire initiale spéciale au groupement d'instruction des forces armées, GIFA. Ils sont donc de compétences physiques, intellectuelles, bref, des aptitudes militaires fondamentales pour leur carrière professionnelle. On leur a enseigné le combat en tant que paramilitaire, tout comme... Il peut être amené à rechercher un délinquant. Donc sur le terrain, il y a des comportements adoptés. Et donc c'est pourquoi on leur a enseigné cela. Et on leur a appris à utiliser l'armement qu'il peut avoir pour pouvoir se défendre. Et ensuite, c'est la formation physique pour tout militaire comme agent de paramilitaire. On a besoin que quand même, pour exécuter nos missions,
d'avoir une certaine capacité physique. 96 stagiaires assistants de la garde de sécurité pénitentiaire, dont 25 filles, ont pris part à cette formation. Une formation qu'ils ont tous suivie avec succès. C'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. On a passé la nuit blanche. Et physiquement, ça demande beaucoup. Donc, mais grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Je pense que cette formation va beaucoup nous servir dans le métier que nous sommes appelés à mener. Parce que être garde de sécurité pénitentiaire, c'est pas facile. Traiter toujours avec les détenus, il faut vraiment être physiquement et intellectuellement en forme. Ces stagiaires retourneront à Ouagadougou pour parachever leur formation. Et la formation, une fois terminée selon leurs représentants, c'est avec loyauté, courage et abnégation qu'ils vont mettre leurs compétences au service de la nation burkinabé. Hors de chez nous, les relations se réchauffent peu à peu entre Cuba et son voisin américain. Les deux pays ont entretenu de bonnes relations jusqu'en 1962, avant l'entrée en vigueur de l'embargo des exportations des États-Unis vers Cuba. Où en est-on dans le déchel des relations entre les deux pays amorcées depuis 2014? L'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso a répondu à cette question face à la presse. Le point avec Claudine Bikaba. C'est lors du 7e sommet des Amériques tenu dans la ville de Panama auquel la République Cuba a participé pour la première fois que l'engagement a été pris par Barack Obama de rétablir les relations diplomatiques entre les deux peuples. Un rétablissement marqué par la levée du blocus imposé par les États-Unis à Cuba il y a plus d'un demi-siècle. Cuba considère que les mesures déjà adoptées par les États-Unis pour modifier la mise en place de certains aspects du blocus vont dans la bonne direction. Cependant, Cuba souhaite que ces mesures s'amplifient et que de nouvelles mesures soient adoptées. Une levée qui ne satisfait pas entièrement la partie cubaine qui persiste sur les revendications qui datent de l'époque de l'imposition de ce blocus. Des revendications auxquelles ils espèrent que les États-Unis seront prêts à répondre favorablement pour une normalisation véritable des relations entre les deux pays. En plus de lever des blocus, il y a des aspects importants tels que la restitution du territoire occupé par la base navale de Guantanamo, et sur lequel vous connaissez très bien, et la complète élimination des programmes dont le but est d'interférer dans les affaires intérieures économiques de Cuba. Dans les échanges avec la presse, la diplomate cubaine a reconnu que des difficultés subsistent. Cependant, elle pense que les deux États se comprennent mieux aujourd'hui, qu'ils peuvent cohabiter de façon pacifique et civilisée dans l'intérêt de leur peuple, de la paix et de la sécurité régionale. Les quotidiens de ce jeudi consacrent largement leur colonne à la riposte de l'ancienne majorité au pouvoir contre la mise en œuvre du nouveau code électoral. La revue de presse est signée Abdulrahman Ezongo. L'adoption du nouveau code électoral continue de défrayer la chronique au Burkina Faso. Les chancelleries occidentales ne sont pas en reste. L'ex-majorité demeure inflexible, affiche aujourd'hui au Faso, dans sa manchette du jour, une inflexibilité renchérie par le quotidien Le Pays, pour qui l'ex-majorité engage un bras de fer comme s'il s'agissait d'un combat sur un ring duquel sortira un vainqueur. En tout cas, selon le porte-parole du groupe CDP et ses alliés, je cite, « Nous avons déposé un recours contre la révision du code électoral devant le Conseil constitutionnel. Parallèlement à cette démarche, nous déposerons également un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. On peut lire à la une du journal Le Soir, le CDP et ses alliés attaquent la loi devant la CEDEAO. Le groupe CDP et ses alliés décide, je cite, d'entrer en résistance en refusant de demeurer silencieux et inactif devant la dérive totalitaire et populiste qu'avancent les dernières initiatives du régime de la transition. À cela s'ajoute la saisine du Conseil constitutionnel et de la CEDEAO. Je cite, un recours contre la révision du code électoral devant le Conseil constitutionnel est parallèlement en cours
un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. Au même moment, le journal Le Soir nous apprend que l'oncle Sam désapprouve l'adoption du nouveau code électoral et appelle le respect du principe de l'inclusion. L'Union européenne s'associe à la position américaine. Ce point de vue de l'Occident, considéré comme une action, a suscité une réaction au sein des organisations de la société civile. En tout cas, une des OSC réagit. Justement, à propos de la position occidentale, Hervé Ouattara, porte-parole du collectif africain pour la Renaissance, il reste ferme, je cite, « La communauté internationale peut faire ce qu'elle veut, nous, nous allons continuer à défendre la transition. » Fin de citation. Une façon de dire « à chacun sa patate chaude ou à chacun sa préoccupation ». Quant au journal L'Observateur, il se questionne afin de savoir si le nouveau code électoral est liberticide, tout comme si aller à la haute cour de la justice de la CEDEAO n'est pas une précipitation douteuse. C'est tout pour cette matinée. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.